Allez, nous revoilà sur ce jeu de merde. Alors, on va charger du coup. C'était quoi? C'était la partie 2 ou la partie 1? Je sais plus. Ah merde, il faut insérer le CD1. Ah bah non, c'était pas ça. Bonjour, je voudrais prendre un verre. Désolé, nous ne servons plus. Mais si vous voulez vous asseoir ici et vous reposer un peu, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Tant faut visiter la ville, apparemment. Putain, c'est lugubre. Que ça là. Vas-y, cette solution elle est plutôt bien, mais faut que j'aille attendre. Parce qu'il faut que. J'ai pas le chat en fait. Je regarde directement le jeu sur le retour d'OBS. Parce que le jeu est beaucoup plus petit. Et en fait, je vois mieux sur le retour d'OBS. Donc, du coup, je regarde le chat directement comme vous voyez le stream en fait. Alors. Faut que j'aille sur le dashboard. Vas-y, renvoie-moi ton lien, que je puisse le copier-coller. Comme ça, je pourrais le voir ça. En attendant, j'épluche. Ah voilà. Merci. Oh là là, c'est quoi ce vieux truc? Dans la chambre. L'Iltex. Vous devez absolument déchiffrer le message inscrit sur la pierre tombale. Sans ce code, désolé, pas possible d'ouvrir la porte de la pièce extérieure de Fort Boyard. Mais c'est un truc de ouf, hein. Ce jeu est codé super bizarrement, quoi. Tu peux même pas revenir, si t'oublies un truc, t'es baisé, t'oublies de tout recommencer. C'est incroyable. Mais vraiment, c'est de la merde, hein. C'est vraiment de la merde. Le message. Par trois fois, le tigre te résistera. Et la quatrième de... Et la quatrième, le fort t'accueillera. D'accord, mais comment tu dois faire pour le déchiffrer en fait? Attends, je vais laisser ça là. Et alors quoi en fait? Pas trop de ces étés froids et le tigre des mers reste. Oh, ça m'emmerde. Ah, c'est juste comme ça, on s'en fout en fait, c'est juste à l'arrache. D'accord, ok, c'est juste ça. Donc on s'en branle. Cette musique. Bijou. Allez, on court. Il faut visiter la ville alors, comment on fait? Ah là! Ah non, merde! Oh non, c'est bon, j'ai compris. Oui, c'est bien! Le mec il... L'aquarium. J'ai pas vu l'aquarium, c'est où? C'est ici? L'aquarium, en tout cas, il est pas sur. Dans la ville. Hein. Mais qui c'est que cette merde? On vit encore avec les pecnos là. Vous êtes sûr qu'on peut visiter cette merde? Fouillons ces résidences, mais je vois pas comment on peut les faire pour les fouiller. Putain, elles sont chiantes ces mandarines, t'as son casse-couille. En plus, elles ont des goûts d'eau. Les goûts d'une orange. Ça a pas le goût de mandarine. Benzaï avait loupé l'aquarium. Je crois qu'il faut parler aux gardes dans la tour, de la lanterne, ou je sais plus quoi. Et pourtant, je l'ai payé. Je l'ai payé même 2 fois 100 balles. Et c'est tout. Oui, tu peux y aller. Mais comment? Attends, mais les mecs, comment je fais? Moi, je veux bien y aller, mais... Regardez, j'ai rien. Hein.
Et là, au truc, regarde à gauche sur les le chemin des maisons. Mais c'est une cinématique, je peux pas, si? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Non, c'est une cinématique, je peux rien faire. Là. Et là, après, il court direct comme un handicapé au... Ah non, mais peut-être qu'il faut faire le... Attends. J'ouvre ma mandarine en deux. D'ailleurs, j'avais vu mon chef. Enfin, mon chef. C'est même pas mon... Enfin, c'est... supérieur. Il bouffait une clémentine ou une mandarine, comme ça. Fermé et il croquait dedans comme ça. Jamais vu ça. Jamais vu quelqu'un manger comme ça. Je me suis dit, putain, mais il est con, quoi. Oh, c'est un chef. Tu as la carte de Jacqueline Durocel dans ton inventaire. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Non, je sais pas ça. Non, je sais pas. C'est pas évident, mais laisse-toi guider avec ton curseur flèche indication. Hein? Je veux bien, mais... Mais le jeu, c'est de la merde, on voyait bien. Bon, attendez, on va causer déjà à lui. Cause, là, allez! Putain, je t'en collais une, hein. Oh, putain! Ouais, c'est ça, Fort Boyard, tu veux y aller, y dit. Si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème... Oh, ferme ta gueule. Voilà ce que je te dis, moi. Espèce de Johnny Hallyday de Lidl. Sure. Voilà, ça c'est fait. Donc faut retourner le voir. Mais j'ai même pas demandé d'aller là. Hein. J'ai demandé d'aller au fond. Mais qu'est-ce qu'il veut lui là? Il veut du pain lui avec ses... Qu'est-ce qu'il fait là? Vaut mieux aller au bar. Oh bah oui, bah toi c'est une solution ça. Le bar, ouais. T'as le blaire toi pour y aller au bar. Oh, vous m'emmerdez avec votre CD, je sais même plus dans quel j'en suis là. Regardez-moi ça là, il est pas beau lui quand même. Je cherche la canonnière est, paroi sud. La canonnière est, paroi sud? Je suis là que depuis 2 jours moi. J'ai un collègue, il la connaît bien, mais il est pas là. Mais il est où? Oh, il est où le collègue? Il peut me parler, oui? Chocolune. Sacré Vincent Pérez, c'est pas lui. Le dialogue du chinois, c'est un passage censuré. Oh non mais ce jeu, il est codé avec mon fion, sérieux. Oh, c'est abusé, faut reprendre à zéro, t'es pas sérieux quand même.
Mais est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils faisaient, les mecs, quand ils développaient les jeux là? Bon, parce que là, clairement. Ah oh, oui, c'est des deux là. Tu vas ici, tu peux pas visiter. Y'a pas d'aquarium. L'autre il dit oui, mais le collègue il est pas là. Mais voilà, il sait pas plus que ça. On branle. Pas de soucis, Marty, des bisous, merci d'être passé. Essayons au moins de trouver l'électricien. Oui, essayons. Mais à mon avis, c'est vite fait. Hein. Regarde. Il n'y a plus personne maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Pourquoi pas ? Tu te fous de ma gueule ou quoi, toi ? Tu te fous de ma gueule ? Je suis fatigué là. Ah, merci Marty d'avoir follow, c'est gentil. Attends, mais what the fuck, le mec il me... Attends, je comprends pas. Il est là. D'accord, il est là prêt à partir. Ah mais quoi, mais n'importe quoi. Oh là là, mais le jeu, il sait même plus ce qu'il fait, le jeu. Oh mon dieu. Non mais n'importe quoi, négro. Pardon, excusez-moi. Je vous rate à la gueule, c'est pas gentil. Faut jamais dire jamais. Qu'est-ce que c'est que 10 000 francs? Bah écoute, de me le dire. Seul. Écoutez, on va... on va partir. Parce que là... Lâchez pas. Mais la porte est fermée en plus. Ah non. Touché. On arrive quand même à un niveau de nullité, mais assez incroyable quand même. Moindre erreur, game over. Ouf, ça changera pas grand chose, tu sais. Putain, ça me gratte hein, des fois. Talisman en haut à gauche. Non. Attends, fais voir.
Vous déposez votre talisman pris dans la mallette à l'hôtel. Dans un trou pour ouvrir le coffre d'en haut. Le bon emplacement est tout en haut à gauche. Donc le truc qu'on a dans là. C'est quoi ça? Un médaillon. Un talisman ou un médaillon, faut savoir. Voilà, j'ai fait. Ça y est, j'ai enfin découvert un Napoléon supplémentaire. D'accord. Et donc il ne vous reste plus qu'à prendre votre troisième Napoléon d'or, quitter cette pièce et affronter le mur d'escalade. Ah. Le mur d'escalade. Putain, faut refaire truc. Toucher. 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 Ah, ça veut plus s'ouvrir. Pour du coup, mais... Eh, mais c'est grave, quand même. C'est grave de faire des jeux de merde comme ça. C'est incroyable. Ah putain, c'est ça le mur d'escalade. Oh, putain. Et allez, c'est reparti, comme dans l'émission. Ouais, bah je peux te dire que l'émission est carrément mieux que ça. Hein. Mais alors comment savoir que c'était bien cet emplacement qu'il fallait utiliser? C'est vrai. C'est vrai ça d'ailleurs. Je nul à chier avec le cul, mais tellement quoi, mais... Putain, j'en ai vu des jeux mais mal faits et tout, mais alors lui quand même. Oh là là. Tu sentais que les mecs ils connaissaient rien du tout aux jeux vidéo, hein. Vraiment. Mais alors, mais que dalle. Faut aller voir le père Fouras. Sauvegarder. Ça sent la crotte là. Edguppy a dû en lâcher une là. Attends, je regardais un truc parce que du coup. Quand j'ai eu l'alerte follower, je trouvais le son un peu faible, je vais l'augmenter. Streamlabs. Alors. Alert box. Follow. Son volume. Ah, il a 40%. Mettre à 80, ça devrait être bon. Il faut que je change d'ailleurs le logo parce que c'est plus dans le même thème. Oh, tiens, ça c'est parfait, ça dans le bon thème. Ça, faire un test pour voir. Thomas, ouais, c'est bon, tant mieux. Je vais même le mettre à 100. Ça sera mieux. Voilà. Alors, merde. Ah bah ça a réinitialisé le chat. Bon, écoute. C'est bon, ça marche.
prendre toutes les clés. Il est pas là. On va si tu ouvres cette armoire et que tu la refermes sans avoir choisi les deux clés te permettant de progresser, alors ton aventure sera terminée. Moi, je fais rien alors. Il fait peur. A causé ta perte. Tu n'étais pas digne de trouver le trésor de Fort Boyard. C'est une blague. Ils te refont commencer au début, fils de pute. Oh putain. Oh là 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 là. Je crois qu'après avoir joué à ce jeu, tu vois, ça c'est le genre de jeu qui viole ton enfance, qui viole tes souvenirs de quand t'étais, c'était bien le samedi, regarder Fort Boyard le soir. Bah non. Imagine pour un mec là. Franchement, je comprendrais même pas un jour si un jour je croiserais un vieux de la vieille qui me dit « Ah, j'avais joué à ce jeu-là, il était génial. » Ah bah putain, je sais même pas s'il y a un seul mec qui a fait ce jeu, a trouvé ce jeu génial, quoi. Vraiment. Et même dans le contexte de l'époque, hein, même en se remettant à l'époque, je pense que tout le monde devait chier sur ce jeu. Possible. Heureusement que j'ai sauvegardé. Ah, ça sent vraiment le caca là quand même. Hein. Bon, on va se balader. Mais je sais pas comment on fait Bis pour aller visiter les maisons sur l'île. Moi je veux bien, mais je peux pas. Regarde. On va y aller, regarde. C'était où j'avais fait partie 3, je crois. Ah non, c'était pas ça. Merde. Non, non, c'est pas du tout là. C'était partie 2 là. Non. C'était parti 1. Désolé. Ta gueule. Comment tu veux que j'y aille? Vas-y, dis-moi. Je reste là si tu veux, tu me dis où faut que j'aille. Un an après Phantasmagoria, 3 ans après Gabriel Knight. Oh là là, mon dieu. Balade ton curseur pour les indications de route. Alors attends. Il me dit rien en fait, tu vois. Là, c'est pour revenir en arrière. Donc sur le ferry. Donc là c'est pour aller au cimetière. Là c'est pour aller dans le village, enfin tu le traverses et tu vas direct au bar. Et c'est tout en fait.
À droite? Mais non, à droite. Attends. Ah, tu vois, il va direct au cimetière. On va regarder quand même. Ah, tu vois, à droite, c'est vraiment le cimetière. Et là? Alors, le mec repasse toujours sur la même rue, hein. C'est pas grave, hein. À droite ou à gauche, c'est la même rue. Visiblement, sur ce style, il y a une rue, une église, hein, c'est tout. Et voilà. Donc, franchement, là, je sais pas où c'est, hein, moi, pour visiter. Honnêtement, je sais pas du tout. Bon, vas-y, j'attends. J'attends que tu trouves. Moi je demande qu'à voir. Mais à mon avis, il n'y a rien à y comprendre quoi. C'est juste qu'il code avec le fion ce jeu et que. C'est que je sais pas, il faut faire le bon truc pour trouver la bonne route. J'en sais rien, c'est compliqué quoi. Il n'y a pas de logique. Déjà, si le jeu n'est pas logique, il n'y a aucune cohérence, c'est compliqué. Déjà l'aquarium pareil, dans le cul, on sait pas pourquoi. Voilà, dans le cul. Plein de trucs dans le cul avec ce jeu. Essaye derrière en attendant. Et derrière je reviens en arrière. Regarde. C'est sur l'île d'Aix. Et après voilà, bibliothèque municipale, tour. Et là je peux rien faire d'autre quoi. Là, je peux retourner là. Oh putain. On peut lui causer. Je cherche la canonnière est, paroi sud. Je cherche la canonnière est, paroi sud. La canonnière est, paroi sud. Je suis là que depuis 2 jours, moi. J'ai un collègue, il la connaît bien, mais il est pas là. Voilà. Et on peut plus lui parler. Peut-être le mec dans la bibliothèque. Oh ta gueule toi. Ah mais on peut plus passer. Ah si, il nous faut la carte. Chemin vers la connaissance. Qu'est-ce que t'as à toi? Pas comme un de celui-là. Hein? Ok, normalement c'était bien à gauche, mais la flèche c'est en haut à gauche. On va aller voir. Par ici la sortie. Non, non, j'ai rien. Hein. J'ai que dalle. Hein. Le jeu est bugué. Le jeu est mal foutu. Y a rien.
malheureusement. Mets-toi sur la flèche. Haut. Vers la gauche. Vers la flèche haut. Et vers la gauche. Qu'il faut y aller. C'est qu'il te manque un truc, car en vidéo il y a une flèche qui apparaît. Ouais, non, mais je sais, il doit sûrement manquer un truc. Comme pour l'aquarium, hein, mais. Non, mais y'a rien à y comprendre avec ce jeu de toute façon. Même pas quoi faire. Désespéré, moi. On va recharger la partie 4, hein, on va continuer là-bas. On s'est arrêté là, je crois. Mais non, l'aquarium, pareil, on a toujours pas vu. Sérieux, tu es bloqué quoi? Non mais c'est... Oh les mecs quoi, comment ils codent les jeux? Ils savent pas faire les jeux vidéo. À mon avis, ils ont dû faire ce jeu et ils ont fait faillite. Hein. Ils ont dit on arrête le massacre. Ce jeu a coûté plus de pognon qu'il y en a rapporté. Tellement tout le monde s'en foutait. Mais l'aquarium, je sais même pas où il est. Je l'ai pas l'aquarium, hein. Beast. On l'a pas du tout sur la map. Hein. On l'a jamais trouvé. Il est jamais affiché. Peut-être dû apprendre le solfège. Encore recommencer à zéro. Ouais, mais là j'ai pas la foi là. Là il est presque 3h du matin, on va arrêter. Hein. Ouais, mais là j'ai plus la foi les gars. Si tu ouvres cette arme. Ta gueule. Voilà. Je prends les clés qui m'enchantent. Ta précipitation a causé ta perte. Et voilà, tu recommences au début.
Oh, jeu d'enculé, va. Putain. Ah non, là, j'en peux plus. Là, j'ai épuisé toute mon énergie, voyez-vous. Toute mon énergie que j'avais, elle est partie. Partie, a pu. A pu. Ouais. Je crois que je dois avoir une corde qui traîne chez moi. Je vais me pendre. Il faut que je vais finir le live, je vais me pendre. Bon, SRA, ouais, bon, SRA. Parce que j'aimerais bien quand même savoir avec tout ce bordel. Qu'est-ce que. Il faudrait que j'essaie de regarder un let's play au pire, parce que même les Solus. Bon, quoique celle que tu m'as donnée, mon tout, qui a l'air d'être bien, la Solus, là. Ça a l'air d'être assez. Assez droit. Donc je vais la mettre en favori. Putain, j'ai honte d'avoir ça en favori. Tiens, d'ailleurs, la solution de Phantasmagoria 2, je peux la supprimer. Donc ouais, hein, on va se laisser là. Bon, en tout cas, c'était quand même rigolo. Bon, c'était chiant, c'était nul. Mais c'était drôle. C'est bizarre comme sensation, mais c'est comme ça. Allez. Oh. Allez. Bon. Eh bien, en tout cas, merci à vous. C'était cool, c'était rigolo. Bonne nuit, Beast. Bonne nuit, Mook. Bonne nuit aux autres. Et puis, bah, du coup, à vendredi. Vendredi prochain. Pour la suite. Des bisous. Et bon courage pour la semaine, en tout cas. Allez. Des bisous.